Bonsoir à tous. Bonsoir à tous mes princes et princesses. Bonsoir à tous mes followers. Bonsoir à tous ceux qui me suivent depuis sur les réseaux sociaux. Bonsoir à vous. Bonsoir depuis Paris. Je ne pouvais pas terminer cette semaine qui a été très difficile pour nous tous d'ailleurs, parce que c'est les 1 an de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et ça a été difficile pour tout le monde, pour la Côte d'Ivoire, pour sa famille biologique, pour sa mère, pour son épouse, pour ses enfants, pour le président de la République, pour l'épouse du président, pour ses neveux, pour ses frères, pour ses soeurs, pour ses nièces, pour ses petits-enfants, pour toute la Côte d'Ivoire, parce que au-delà du sentiment personnel de chacun, en tout cas, de Amadou Gon Coulibaly, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était aussi l'espoir d'une plus grande majorité des Ivoiriens, de l'ensemble des Ivoiriens. Et Dieu en a décidé autrement. Donc, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Ces images de le Premier ministre sont très difficiles encore aujourd'hui à observer, la voix à écouter. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, voilà, c'est encore difficile pour beaucoup d'entre nous, parce que ça a été un déchirement, ça a été une grande tristesse, ça a été un gros chagrin pour nous tous. Et puis on se plie toujours à la volonté de Dieu. Voilà, on se plie toujours à la volonté de Dieu quand Dieu décide autrement. Même si on n'est pas d'accord, on se plie à sa volonté. C'est un peu difficile, hein. Sincèrement, j'ai eu du mal, et j'ai encore du mal à faire cette vidéo. Je ne sais pas si je peux l'appeler vidéo d'hommage, mais je pense que on ne cessera jamais de rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly. On ne cessera jamais de lui rendre hommage. On lui rendra toujours hommage. Parce qu'il incarnait l'excellence. Il incarnait l'intelligence. Il incarnait la modernité, mais en même temps la tradition. Il était les deux à la fois. Il était l'intellectuel, il était en même temps l'homme de culture, l'homme des traditions. Donc il était l'alliance des deux. C'est encore difficile, c'est vraiment encore difficile, mais nous, il restait ici bas, nous devons continuer à prier pour le repos éternel de son âme. Et continuer à véhiculer son image, sa vision de la société, sa vision de la tradition, sa vision de la modernité. Parce qu'il était aussi cet homme moderne. Il était l'ouverture, il était la simplicité, il était la rigueur. C'était un tout. Feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et en ce dimanche 11, j'ai une pensée forte pour sa mère. Je pense, j'ai une pensée forte pour sa mère. Que Dieu, dans sa bonté, accorde la force nécessaire à sa mère afin de surmonter l'insurmontable. Parce qu'une mère qui perd un fils, c'est la chose la plus dure, terrible qu'on peut souhaiter à une mère. Et nous prions aussi pour son épouse Assétou Gon,
Et ses enfants, ses, tous ses enfants, ses petits-enfants, qui aujourd'hui a perdu une partie d'elle-même, parce que perdre son époux, son mari, c'est un handicap à vie. On a perdu une partie, elle a perdu une partie d'elle-même. Et cette partie est irremplaçable. Pour ses enfants qui ont perdu leur père, on a une pensée pour eux. Pour ses petits-enfants qui ont perdu leur grand-père. Pour ses neveux, j'ai une pensée pour le ministre Amadou Koné. Pour ses sœurs, pour ses frères et pour toute la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. La Côte d'Ivoire a perdu un fils. La Côte d'Ivoire a perdu une intelligence, une de ses intelligences. Notre pays est encore gorgé des hommes et des femmes intelligents et nous devons ici rester bas, continuer à promouvoir cette vision de l'excellence, cette vision de la compétence, cette vision de la modernité, du contemporain, de ce mélange de culture, de tradition, mais en même temps d'ouverture sur les autres, de construire ce contemporain. Je vais dire merci à tous ces Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, ailleurs, qui ont rendu un bel hommage à feu le Premier ministre Amadou Koulibaly. Et j'ai été particulièrement touchée par l'hommage du ministre Touré Mamadou, qui a rendu un hommage très touchant, très, mais vraiment un hommage touchant à feu le Premier ministre Amadou Koulibaly, que je voudrais qu'on puisse écouter ensemble et on va continuer notre conversation. On va écouter l'hommage du ministre Troy Mamadou. Moi, je sais qu'au lendemain de son investiture, RFI a fait un papier. Alors que nous, on était contents, on vient d'investir notre candidat. Un papier pour dire non. L'impopulaire Amadou Koulibaly qui vient d'être désigné, ça là, ça lui a fait mal. Quand c'est comme ça, il nous réveille très tôt. Et ça là, vraiment, ça lui a fait mal. Et moi, j'ai chargé, j'ai appelé le gars de RFI. 45 minutes de débat. Il faut qu'il m'explique point par point tout ce qu'il a dit. Je veux qu'on discute. Amadou Gon est impopulaire, quelqu'un qui depuis 25 ans est régulièrement élu dans la quatrième ville de Côte d'Ivoire. Avec des scores que vous connaissez. Quelqu'un qui a été secrétaire général délégué du RDR, qui est président du directoire du RHDP, accepté par tous les cadres du RHDP. Comment est-ce qu'il peut être impopulaire? Quelqu'un qui a fait des tournées avant d'être désigné à l'intérieur du pays, où c'était par dizaines de milliers qu'on voyait des Ivoiriens de tout horizon sortir. Comment est-ce qu'il est impopulaire? Amadou Gon est sectaire? Mais j'ai repris ce qu'il a dit donc dans son livre, j'ai dit aux journalistes. Mais ceux qui portent Amadou Gon aujourd'hui, les Goudou Raymond, les Alain Donvahi, les Anou Lotou, etc. Ils ne sont pas de Korogo. Moi, je ne suis pas de Korogo. Moi, Amadou Touré, je ne suis pas de Korogo. Je n'ai aucun lien avec Amadou Gon. C'est-à-dire, vraiment, je n'ai aucun lien. Vous dites même que j'ai cousin de cousin de cousine de cousine. Il n'y a pas de lien. Donc, j'ai eu ce débat très chaud avec le journaliste qui, en fin de compte, me dit, Monsieur le ministre, ça vient de votre camp. C'est chez vous, c'est certains de vos cadres qui nous donnent ces informations. Mais ces cadres qui ont distillé ça, ils étaient dans une logique de disqualifier Amadou Gon Coulibaly, qu'ils avaient déjà identifié comme un adversaire. Donc pour le disqualifier, tout en sachant qu'il est bon, qu'il était le meilleur d'entre nous, comme le président le dit, il était le meilleur chef d'équipe. Il savait être un chef d'équipe. Il savait porter une équipe. Mais ils ont voulu le disqualifier. Donc en distillant des choses, et ça là, j'ai dit ça l'a blessé. Mais bon, ils l'ont fait. Il est mort. Mais eux, ils ont eu quoi?
Non, c'est pas parce que tu disais quelqu'un que toi tu vas avoir. Hein. C'est Dieu qui décide. Quand on va choisir Amadougou le 12 mars, mais ils n'ont pas mis de fusil sur la tempe de qui que ce soit. C'est un choix de cœur, tu l'as dit un jour. C'est une adhésion. Tous les cadres que vous avez vus défiler là, c'était une adhésion, qu'ils soient du RDR, du PDCI ou de tous les partis. Mais parce qu'à un moment donné, on a eu un chef qui n'a contraint qui que ce soit à quoi que ce soit. Certains l'ont connu depuis des années, d'autres ont appris à le connaître les 3 dernières années, et c'est un choix de cœur. Et il a fait l'unanimité. Mais dans une famille, quand tu fais l'unanimité, surtout quand tu es bon, il y a des jalousies. Il y a des frères qui estiment que, mais pourquoi c'est lui? Alors qu'on sait que tu es bon. Certains sont allés dire au président, monsieur le président, non, on sort du RHDP, enfin, on n'est pas d'accord avec la candidature d'Amadou Gon. Si c'est Amadou Gon là, si c'était toi là, vraiment, on allait suivre. Mais si c'est Amadou Gon là, vraiment, président, non, non, on ne veut pas. Bon, Dieu a fait qu'Amadou Gon est mort, Assane Ouattara est devenu candidat, malgré ça, vous êtes parti. C'est qu'Amadou Gon n'était qu'un prétexte. C'est qu'Amadou Gon n'était qu'un prétexte. Mais si tu as dit au président, je ne suis pas d'accord avec ton choix, mais si c'était toi, président, vraiment, moi, je serais y allé. Et que Amadou Gon décède et que le président devient candidat, normalement, tu lui as dit, bon, comme le président que j'ai toujours voulu est là, je viens, mais ils sont partis quand même. Ils avaient tous des agendas cachés. Donc, la différence entre lui et ceux qui l'ont suivi, parce que ceux qui ont suivi Amadou Gon étaient aussi des présidentiables, hein. Ceux qui ont suivi Amadou Gon là, ils n'étaient pas moins bons que ceux qui pensaient qu'ils pouvaient être candidats. Hein? Mais ils ont mis l'intérêt général devant. On est dans un contexte aujourd'hui là. Qui peut nous mobiliser pour aller gagner l'élection? C'est lui. Donc on essaie de tuer tous nos ambitions. Mais d'autres, c'était des agendas cachés et il en a souffert. Quand il allait à Paris, le 2, moi il m'appelle le matin, comme il nous connaît un peu. Il m'appelle à 9 et dit, bon, toi, je sais que tu es très motivé, je vais te dire que je vais bien. Hein. Ça a été un peu difficile dans la nuit du vendredi à samedi, mais là, ça va, je vais faire mes contrôles, etc. Et puis, je rentre la semaine prochaine, etc. Mais même là, ils n'ont pas raté. Dans sa convalescence, là, on a fait des choses, suscité des papiers. Vraiment, même dans son dernier retranchement, on l'a attaqué. Même dans son dernier retranchement, il a été attaqué. Et ça amène à réfléchir. Et ça amène à se poser des questions. C'est ça la politique, mais ça, on ne fera pas la politique. Je vous jure, il y a des questionnements. Donc vous avez deux attitudes. Si c'est ça la politique, on ne fera pas de la politique. Mais ça peut être une approche très facile. Ou on peut se dire aussi, si c'est ça la politique ivoirienne, alors il faut se battre pour que les choses changent. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. On peut faire de la politique et avoir des limites. La fin justifie les moyens, là. Ça ne peut pas être de la politique. Mais j'ai dit aux journalistes, bon, on a quand même fait des sondages. Hein. Le président Ouattara, là, le choix d'Amadou Gon, c'est un choix de cœur et un choix de raison. Le choix de cœur, parce qu'Amadou Gon a été son collaborateur le plus fidèle pendant 30 ans, Exactement. auprès de qui. Auprès de lui, Amadou Gon a appris, et c'est Amadou Gon, secrétaire général de la présidence, premier ministre, qui a géré tous les grands dossiers importants. Amadou Gon a conçu son programme de gouvernement en 2010. Amadou Gon était son prolongement naturel, choix de cœur. Mais ça ne suffit pas pour faire d'Amadou Gon candidat. Mais il a d'autres enfants, il a les Dombaï, il a Anne Lotto. Donc, à un moment donné, même pour choisir Amadou Gon le président, fait des études d'opinion. J'aime bien mon fils, hein? Mais est-ce que c'est lui qui peut faire gagner la famille? Et nous-mêmes, je peux le dire aujourd'hui, à sa demande, on a eu des études avec l'une des plus grosses structures d'opinion en France. Mais je vous jure qu'il était le meilleur d'entre nous. En termes de notoriété, de popularité, Amadou Gon supplantait tous les cadres du RHDP. Et ça s'explique. Parce que nos militants, qui dans la grande majorité aimaient le président Ouattara, transposaient naturellement leur sympathie à Amadou Gon Coulibaly, parce que sa relation avec le président était quasi fusionnelle et il était le prolongement naturel d'Assane Ouattara.
Il a eu une position légitimiste. Il n'a jamais voulu exister en dehors du président Ouattara. Ça s'est travers, ça s'est revers, ça a tout ce que vous voulez, puisqu'on dit qu'il n'a pas de personnalité, il n'a pas ses islam, mais il assumait cette position légitimiste. Rien fait en dehors du président Ouattara. Mais la conséquence positive, c'est que tous ceux qui appréciaient Hassan Ouattara aimaient naturellement Amadou Gon Coulibaly. Mais tous les autres cadres venaient de très loin derrière. Donc quand le président a les éléments, même face au président Bédié, je peux le dire aujourd'hui, quand le président a dit que je ne serai pas candidat, bien vrai que la loi me permet d'être candidat, mais je souhaite que les deux autres on se retirent. Et que si Bédié va, je vais. Exactement. Mais pour nous, là, cette option du Bédié va, je vais, là, était une option de sécurité. Tout à fait. Parce que vous êtes des pères de famille. Bon, tu veux que mon enfant vienne se battre avec toi? Non. Soit les papas, on se bat entre nous, les enfants, ils se battent entre eux. Il n'y a pas mettre mon enfant, puis tu allais bouser mon enfant. Et beaucoup étaient pour que si Bédié et les autres étaient candidats, que le président soit candidat. Mais objectivement, avec tout le travail qui a été fait par Amadou Gon Coulibaly de 2017 à 2020, mais qu'est-ce que les études ont relevé? Amadou Gon battait le président Yukona Bédié dès le premier tour, avec autour de 51%, dès le premier tour. Choix de raison du président, en ce moment, oui, bon, vraiment, même si j'ai la possibilité d'être candidat, vraiment, non seulement mon fils fait l'unanimité au sein du parti, mais même par rapport à l'adversaire, dès le premier tour, les études que j'ai me permettent de savoir que Amadou Gon battait le président Yukona Bédié dès le premier tour, avec autour de 51% donc des voix. Choix de cœur et choix de raison. Je tenais à le dire parce que l'histoire est un témoignage. Amadou Gon était un choix de cœur et un choix de raison. Je vous remercie. Raison. Waouh. Voilà. Wow. 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 Mes amis, je voudrais vous dire un grand merci pour tous ceux qui sont là. Vous dire un grand merci. Je veux dire merci à Monsieur le ministre Touré Mamadou qui a si bien qui a rendu un si bel hommage au premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais vous... C'était important pour moi de revenir sur ces images parce que beaucoup, voyez-vous, beaucoup n'ont pas compris, certains beaucoup ont compris, mais peu de personnes n'ont pas compris et ont essayé de faire un peu de la récupération sur un certain nombre d'images. AGC, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'était un homme des valeurs. C'était un homme des valeurs et des grandes valeurs. Depuis sa mort, juste encore aujourd'hui, je me refuse de voir de regarder ces images. Parce que, voyez-vous, comme le disait, excusez-moi, hein, c'est des émotions. Ce n'est pas des pleurs, mais c'est des émotions. Et parfois, quand les émotions sont très forte, mais on ne les maîtrise plus. Et ben, ça vient tout seul. Voilà, on ne les maîtrise plus.
Et comme je disais, depuis le décès de feu le premier ministre Amadou Gon, j'avais du mal, et puis j'ai eu du mal, j'ai encore du mal à regarder ces images. Parce que chaque fois que je regarde ces images, je me dis, mais il y a quelque chose d'inachevé. Je me dis, mais c'est pas normal, mais en même temps, j'ai la volonté de Dieu. Je me dis, il y a quelque chose. Et je prie pour le repos éternel de son âme. En même temps, je me dis, mais c'est quoi ce quelque chose d'inachevé? Ce sont des questionnements. Et c'est ce qu'il disait le ministre Touré Mamadou dans son allocution, dans son hommage à feu le premier ministre Amadou Gon. Se battre pour que les choses changent. Parce que je me posais la question, je me dis, mais au fond de moi, spirituellement, je me dis, il y a quelque chose d'inachevé. Mais pourquoi il est parti aussitôt? Et tous ces questionnements m'amènent à dire, que ce quelque chose d'inachevé, c'est à nous, rester vivants, de pérenniser les valeurs du feu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc, ce quelque chose d'inachevé, c'est à nous de porter et d'achever, de terminer, de pérenniser les valeurs du feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. AGC était un grand homme, était quelqu'un de bien. Il était quelqu'un de bon. Il était un grand humaniste. Soucieux de chacun. Soucieux de chacun. Chacun à son humble niveau. Quand AGC vous appelle, la première des choses qu'il vous demande, c'est comment va votre maman? Elle va bien. La première des questions qu'il vous pose, c'est de savoir comment va votre mère. Tout homme qui aime sa mère aime les autres. C'était ça, Amadou Gon Coulibaly. Il aimait profondément sa mère, qu'il se souciait de la maman des autres, de la mère des autres. Et ça, c'est rare. C'est rare. C'est difficile. Je vous dis que c'est très difficile. Quand je regarde les images d'AGC, de parler de lui. Mais je ne pouvais pas terminer cette semaine sans parler d'AGC. Parce que je sais que chacun le porte dans son cœur. Que c'est tous les Ivoiriens qui le portent. Parce que j'ai été à Abidjan pour les funérailles d'AGC. J'ai observé la Côte d'Ivoire. J'ai entendu les Ivoiriens. C'était toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui pleuraient leurs frères, leurs fils. C'était tous les Ivoiriens du nord au sud, du centre à l'est et à l'ouest. C'était toute la Côte d'Ivoire qui pleurait Amadou Gon Coulibaly. C'est là que je me suis dit, waouh! Les Ivoiriens l'aimaient à ce point. Donc, il était aussi aimé par tous les Ivoiriens. Malheureusement, certains n'ont pas eu le temps de lui exprimer cet amour. Mais on dit, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent, ils sont dans les arbres. Ils sont là, ils sont présents. C'est parce qu'on ne les voit pas. AGC, de là où il est, il sait que la Côte d'Ivoire l'aime. Il sait que les Ivoiriens l'aiment. Et nous, on sait qu'il nous a tant aimés. Qu'il a tant aimé son pays. Qu'il a tant aimé les Ivoiriens. Il mérite qu'on lui rende hommage. Il mérite
qu'on pérennise ces valeurs. Comme l'a dit le ministre Touré Mamadou, oui, c'est vrai, on ne va pas le nier, on ne va pas le cacher. AGC en a souffert. Vous savez, quand vous pensez à des gens, quand vous souciez de leur bien-être, quand vous ne dormez pas, vous réfléchissez, vous écrivez des projets pour le bien-être des personnes, de vos compatriotes, et qu'il y a certains, par méconnaissance, ou par médisance, par cynisme, qui vous dénigrent, vous insultent, racontent des choses fausses, rien que pour salir votre image, eh bien, c'est blessant. C'est blessant. Et oui, c'est vrai, ça a beaucoup blessé AGC. Ça a beaucoup blessé le premier ministre Amadou Koulibaly. Ça a beaucoup blessé le premier ministre Amadou Koulibaly, effectivement. Il était blessé de ces choses injustes à son égard. Ça le blessait vraiment. Ma première rencontre, audience, avec AGC, donc d'où sur cette photo, il m'a dit comme ça, Madame Gouza, je dis oui, Excellence. Les gens racontent des choses sur moi. Ils disent que je suis méchant. Ils disent que je suis vilain. Quand vous me regardez, est-ce que je suis aussi vilain que ça? Et là, on a éclaté de rire tous les deux. Ça a été une révélation pour moi. Je ne le connaissais pas. Je découvre un homme. Une personnalité, une autorité qui me reçoit en audience et qui me parle de, oui, de sa fragilité, de sa souffrance. À la sortie de cette rencontre, je me suis dit, est-ce que c'est une mission que je devrais accomplir? Est-ce que c'est spirituel. Qu'est-ce que Dieu, à travers AGC, m'a confié? C'est des questions que je me suis posées. Eh bien, c'est des questionnements. Je ne le connaissais pas. Je lisais sur la toile comme tout le monde ce que les gens me racontaient à son encontre, ce que les gens disaient sur lui, sans le connaître, comme quoi les préjugés. Quand tu ne connais pas une personne, tu écoutes ce que les gens disent. Toi, tu colportes ce que les gens disent sans même connaître la personne. Mais quand je rencontrais AGC, premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, moi, une petite femme, devant un homme, une personnalité, une autorité qui me reçoit en audience et qui me confie et qui me dit. Les gens racontent des choses sur moi. J'avais une responsabilité. Vis-à-vis de moi-même. Vis-à-vis de ce en quoi je crois. Moi, je crois. On avait quelque chose. Il y a eu une relation fraternelle qui s'est installée ce jour-là. On en a rigolé. J'ai dit à AGC, à feu, monsieur le Premier ministre à l'époque, monsieur le Premier ministre, si ça peut vous rassurer, eh bien, vous n'êtes pas le seul. On dit des choses sur moi et j'en ris. Et là, tous les deux, on a éclaté de rire. Parce que j'ai compris qu'il avait besoin de rire de ce que les gens racontent à son égard. Il avait besoin de rire de toutes ces méchancetés. Il avait besoin de décharger tout ce que les gens racontaient sur lui. C'est pourquoi je me suis engagée
dans ma démarche citoyenne, à parler de lui et à dire à ceux qui ne le connaissaient pas que vous vous trompez. Amadou Gou Coulibaly était un homme bon. Il était humaniste. Il était soucieux de chacun. Il ne cherchait pas à savoir quel était tes diplômes. Il ne cherchait pas à savoir quelle était ta classe sociale. Que tu sois petit, moyen, grand, pauvre ou riche, il se mettait au niveau de chacun. Parce qu'il respectait l'être humain. Parce que c'était un homme de valeur. Mes frères et sœurs, ce quelque chose d'inachevé, ce sont les valeurs de feu, le premier ministre Amadou Gou Coulibaly. Ce quelque chose d'inachevé, c'est de pérenniser les valeurs d'AGC. Parce qu'il était humain, il était bon. Souvent, il disait, qu'est-ce que les gens racontent sur la toile? Et moi, j'essayais de dédramatiser. Vous savez, ce n'est pas tout on dit à une autorité. Ce n'est pas tout on dit à une personnalité. Parce que dire des choses blessantes, ça blesse encore davantage. Alors, j'essayais de dédramatiser. Et comme il est très moqueur, il est très moqueur, il aime se moquer de lui-même et se moque, il aime rigoler. Il est très moqueur. Alors, je mettais dans l'humour et on a rigolé. Qui moi je suis? Qui je suis moi? Une fille des quartiers populaires d'Abobo Sojefia, de famille modeste, qui n'a pas fait les grandes écoles. Les gens se posaient des questions de savoir, mais qui elle est pour réussir à faire rire à AGC? Oui, je n'étais rien. Effectivement. Mais je pense qu'en ce moment-là, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie de tout un chacun. Il y a des moments où Dieu peut vous mettre une personne qui est rien. Une pauvre petite personne sur votre chemin. Parce qu'en ce moment-là, vous avez besoin de rire. Mais Dieu met sur votre chemin une personne qui va vous aider à rigoler. Vous avez besoin, comme disent les Ivoiriens, un petit c'est un grand c'est un petit. Plus petit que soi, on a toujours besoin. Et c'était une rencontre que j'oublierai jamais. J'ai eu cette chance d'avoir rencontré AGC. J'ai eu cette chance, j'ai eu l'honneur d'avoir côtoyé une grande personnalité, une grande figure dans l'histoire de notre pays. Feu le premier ministre Amadou Gou Coulibaly. Je voudrais dire aux uns ou aux autres, pour conclure, voyez-vous, j'ai dit à des amis d'ailleurs, et je veux le dire aussi à vous mes followers, à ceux qui aiment, à ceux qui n'aiment pas, à ceux qui apprécient, à ceux qui n'apprécient pas. Au fond de chaque Ivoirien, on avait un amour profond pour Amadou Gou Coulibaly. Mais en ce moment, chacun n'a pas eu le courage de l'exprimer. Chacun s'est focalisé sur des appartenances politiques. Et à la mort d'AGC, c'est toute la Côte d'Ivoire entière qui a pleuré. Qui a pleuré comme si c'était le même sentiment, je peux dire encore plus fort que la mort de Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire était pareille. Quand on a annoncé la mort de feu, le fondateur Félix Houphouët-Boigny, c'était toute la Côte d'Ivoire qui était silencieuse en deuil. Mais le décès d'AGC, ça a été encore pareil et pire. Tout le monde était tétanisé.
Parce qu'en réalité, les Ivoiriens s'aiment entre eux. En réalité, les Ivoiriens s'apprécient vraiment. Au fond de chacun d'entre nous, il y a l'amour de notre prochain. Au fond de chacun d'entre nous, il y a l'amour de notre prochain, même s'il n'est pas du même bord politique que nous. Et je veux dire à tous les Ivoiriens encore aujourd'hui, je sais qu'il y a au fond de chaque Ivoirien, il y a l'amour profond du président Alassane Ouattara. Il y a son amour profond. Les Ivoiriens aiment leur président, quel qu'il soit. Même s'ils critiquent. Je veux dire à nos frères ivoiriens et à mes compatriotes, à mes soeurs ivoiriennes, pendant qu'il est temps, ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs et exprimons l'appréciation que nous avons pour le chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara. Je touche du bois. Je souhaite longue vie. Je touche du bois. Je souhaite longue vie au président Alassane Ouattara. Mais pendant qu'il est temps, ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Exprimons notre appréciation pour ne pas avoir des regrets. Parce qu'il y a certains qui ont eu des regrets au décès du Premier ministre Amadou Koulibaly. Ils ont dit, oh non, c'est au moment où on l'aimait, on voulait lui dire qu'il est parti. Pendant qu'il est temps, ouvrons notre cœur. Allons-y à la paix. Allons-y à la réconciliation. Nous-mêmes, en tant que citoyens, obligeons nos hommes politiques à se réconcilier, à aller à la paix vraie pour réussir notre pays. Jouons ce rôle. Prenons ce rôle à bras le corps. Nous-mêmes, citoyens, imposons à nos hommes politiques la réconciliation. C'est à nous de leur dire ce qu'on veut. Et c'est à eux de suivre nos volontés. Parce que c'est nous qui sommes le peuple. Au fond de chacun d'entre nous, au fond de chacun d'entre nous, oui, je sais que les Ivoiriens aiment. Apprécie énormément le président Alassane Ouattara. Mais pour des questions politiques partisanes, de querelles politiciennes, certains font semblant pendant qu'il est temps. C'est bien d'entendre de son vivant. Merci. Et je fais partie de ces personnes-là. Je le dis avec beaucoup de. D'humilité, qui ont eu le temps et qui ont eu la chance de dire merci à HEC. Mes frères et sœurs, pendant qu'il est temps, disons merci à Alassane Ouattara. Pendant qu'il est temps, disons merci à Alassane Ouattara. Pendant qu'il est temps, disons merci. Moi, j'ai eu la chance de dire merci à Jussi. J'ai eu cette chance. Et aujourd'hui, je me dis, c'est vrai, la disparition fait mal. Je me dis quelque part, peut-être Dieu aussi m'a mis sur son chemin. Parce qu'en ce moment-là, il avait besoin d'entendre les gens lui dire, les citoyens lui dire, merci. Merci, ça ne coûte rien. Mais il avait besoin de ça. Et Dieu merci. Il a eu ça avant de partir. Cette chance, merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour le travail. Merci pour les valeurs. Merci. Mes frères et sœurs, je voudrais dire merci à sa maman. À sa mère, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à Abidjan,
Je lui dis un grand merci. Je l'embrasse très très fort. Je pense à elle. Je pense à ses filles. Je pense à ses petits-enfants. Je pense à ses fils. Merci parce que elle a donné, transmis, elle a donné des valeurs, des vraies valeurs à son fils. C'est une, comment on l'appelle, mémé formidable. Et nous prions pour elle que Dieu lui accorde une très très longue vie pour que toujours quand on arrive à Abidjan, on passe la voie et ça nous permet nous aussi, chacun, de toujours garder ce lien fraternel. Merci à Mémé, merci à la mère, à la maman d'AGC, à Madougon Koulibaly. Je veux aussi dire merci à son épouse, à Sétougon, que j'appelle Mamamoun affectueusement. Merci à elle pour tout ce traversé, pour tous ces moments traversés, pour toutes ces périodes de douleur, de tristesse, de chagrin. Merci à elle, merci à son fils, à papa, merci à ses filles, merci à ses petits-enfants, et merci à tout le monde. Nous continuons de prier pour AGC et nous le portons dans notre cœur, nous le gardons dans notre cœur, nous prions toujours pour lui, pour le repos éternel. Merci encore au ministre Amadou Koné, merci à lui, merci pour son courage, merci pour ses moments. Il traverse aussi des moments difficiles à la perte de son oncle. Merci à lui. Et nous continuerons et nous serons là pour pérenniser les valeurs du Premier ministre Madougou Coulibaly. Ces valeurs, c'est l'excellence, c'est le travail. C'est le travail, c'est l'excellence, c'est le travail. C'est ça, AGC. AGC, c'est ça. Le travail, l'excellence, le travail, l'excellence, la rigueur. C'est ça, Amadou Koulibaly. Mes frères et sœurs, c'était l'hommage que je voulais rendre à AGC. On continuera toujours de parler de lui parce que il a laissé une signature dans le développement de notre pays, dans l'histoire de notre pays, qui est l'excellence. Donc, je voulais conclure avec vous pour l'hommage à AGC. Qu'on met tous des cœurs pour lui, qu'on pense à lui, qu'on prie pour lui, que chaque Ivoirien continue de prier pour lui. Et qu'on n'oublie pas, c'est un appel de cœur, c'est un appel de sœur, c'est un appel fraternel, c'est un appel qui vient du fond du cœur. Je demande à tous les Ivoiriens, à chacun d'entre nous, pendant qu'il est temps, d'avoir le courage, la force nécessaire, de dire merci au président Alassane Ouattara. Merci pendant qu'il est temps. Je le redis encore, au décès d'AGC, on a vu des gens pleurer, des opposants pleurer, des gens, moi j'ai vu des familles, des opposants qui étaient assis par terre, qui pleuraient plus. Je leur posais la question, pour, vous l'aimez à ce point? Ils disent, on n'a pas eu le temps de lui dire merci, parce qu'on savait au fond de nous qu'il était bon. Aujourd'hui encore, je viens vers vous. Du vivant, c'est bien d'entendre le merci. Nous souhaitons longue vie au président Alassane Ouattara. Longue vie au chef de l'État. Longue vie au président Alassane Ouattara. Mais je reviens vers vous, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara n'a pas 50 ans. Il n'a pas 55 ans. Il n'a pas 60 ans. Il a plus que 75 ans. Il serait bon, humain, spirituel, devant Dieu, de dire merci à Alassane Ouattara. Voilà le message que je voulais vous délivrer. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais aborder l'actualité politique, mais je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. On aura le temps, soit peut-être demain ou après-demain, comme c'est les vacances, de parler de l'éducation nationale. Et de parler de la corruption. Parce que AGC, c'est aussi l'excellence. Et son rêve, ses valeurs, c'était permettre aussi que tous les élèves de Côte d'Ivoire, les enfants de Côte d'Ivoire,
soit aussi excellent comme lui. À vous tous, bonsoir. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.